Storvis, comme il est connu, est un groupe qui est un opérateur historique dans le domaine agricole, qui a équipé plusieurs générations d'agriculteurs depuis les années 50 avec du matériel de premier ordre et qui sert justement à l'agriculteur depuis le travail du sol jusqu'à la récolte. Et donc à ce titre, nous sommes devenus parmi les leaders nationaux de fourniture de matériel agricole, tout type de machines. Et si on considère un petit peu toutes catégories confondues, on peut même dire qu'on est le leader dans la fourniture de matériel agricole aux agriculteurs marocains. On avait terminé 2018 avec une note positive parce qu'il avait progressé par rapport à 2017 qui était elle-même une année meilleure face à la sécheresse de 2016. Comme vous le savez, Storvis fait partie aussi de l'Association marocaine des importateurs de machines agricoles, l'AMIMA, qui est le partenaire essentiel dans le domaine de machines agricoles auprès des autorités et auprès donc du Crédit Agricole du Maroc. Nous avons des conventions avec. Et cette année, le cumul des ventes de l'association ne s'est pas encore bien comporté parce que d'abord, il y a la problématique de la sécheresse. Globalement, le marché des tracteurs à l'état neuf frôle les moins 40% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Il n'y aura pas de recette miracle, comme on le sait. Le Maroc est structurellement dépendant de la pluviométrie. Et donc, c'est la situation de la pluviométrie qui définit un petit peu la bonne ou la moins bonne récolte. Mais ça n'empêche que plusieurs mesures ont été prises par les autorités. Le plan Maroc vert a atteint ses objectifs principaux. Il reste quelques autres mesures pour parer un petit peu à l'effet conjoncturel de la sécheresse sur la vente des opérateurs de machinisme, des tracteurs essentiellement aux agriculteurs, et qui restent tributeurs de plusieurs éléments. Le premier, bien sûr, c'est le maintien de la subvention, l'encouragement de transfert un peu de l'activité des cultures céréalières classiques à faible rendement et trop dépendantes de la pluviométrie vers des cultures plus génératrices de revenus. Troisième axe, c'est nous travaillons avec les autorités pour encourager l'utilisation de machines agricoles moins gourmandes en eau et qui permettraient justement un petit peu à tout le secteur de créer des richesses, et qui dit création de richesses dit aussi l'amélioration des revenus des agriculteurs et donc de facto moins de besoins de financement et donc moins de problèmes d'encours clients avec les agriculteurs. Nous ne sommes pas un simple acheteur et revendeur de matériel. Nous accompagnons l'agriculteur dans l'optimisation d'utilisation de nos machines. Alors ce que nous faisons en tant que groupe Storvis, en partenariat avec nos fournisseurs, et qui sont leaders mondiaux dans le domaine, c'est d'organiser des tournées de formation séquentielles, pratiquement 2 à 3 fois par année, alternativement chez eux, dans l'usine, pour un peu imprégner nos équipes avec les techniciens de nos revendeurs, ou alors une formation beaucoup plus académique sur place. Ils viennent eux-mêmes ici, ils organisent un peu, et on touche un peu un public plus large, ce qui permet un petit peu d'informer nos partenaires, nos clients, nos agriculteurs, des derniers développements de technologie, et avec bien sûr, au démarrage des deux grandes campagnes, labour et récolte, nous organisons des démonstrations grandeur nature en invitant plusieurs centaines d'agriculteurs à assister justement
au dernier développement des machines. La preuve en est ce que nous exposons aussi à la foire. Nous exposons des tracteurs pratiquement dont le besoin en masse n'existe pas encore, mais nous le montrons aux agriculteurs, nous montrons que quand le besoin viendra, nous sommes déjà là, nous sommes outillés, nous sommes soutenus par nos partenaires.